Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel dans lequel je vais vous expliquer comment créer une sonnerie pour un téléphone iPhone. Donc pour ce faire, on va avoir besoin du logiciel FormaFactory puisque je me sers de lui pour créer la sonnerie. Et on va avoir besoin aussi de iTunes. Bon, dans un premier temps, on va voir comment créer la sonnerie. J'ai déjà fait des tutoriels vous expliquant comment on peut créer avec FormaFactory une extraction d'un refrain ou d'un morceau d'une chanson. Donc vous allez sur le site, vous faites FormaFactory dans logiciel avancé, FormaFactory, et ici sur le côté vous avez marqué découper un fichier audio, et dans découper un fichier audio vous avez la possibilité de voir comment on fait pour extraire une partie d'une chanson, et juste une partie. On le retrouve aussi sur la chaîne en allant dans toujours la même catégorie, hein, FormaFactory, et dans FormaFactory vous trouvez aussi découper un fichier audio, et donc là à partir de là vous allez pouvoir extraire la bande son d'une chanson qui vous plaît. Donc là on a fait le tour. Bon, moi bien évidemment je vais pas le refaire encore une fois, je l'ai déjà fait, ça sert à rien, du moins je vais pas encore vous le réexpliquer, ça a déjà été fait. Donc ce que j'ai fait, c'est que je suis allé et j'ai déjà créé ma petite bande son. J'ai créé dans Sonnerie iPhone, dans le dossier Sonnerie iPhone, j'ai créé un petit extrait d'une chanson d'un album de Green Day que j'ai, parce que justement Green Day, comme vous allez pouvoir le remarquer, voilà, ils ont une tendance à être un petit peu nerveux et à monter un petit peu vite dans les tours au niveau de la musique, au niveau de la guitare, au niveau de la batterie, tout ça. Et justement c'est très intéressant parce que ça a une tendance à faire saturer le format dont on a besoin avec iTunes, moins les iPhones. Donc on commence de suite. Donc maintenant que j'ai ma chanson, mon extrait qui est là, je vais dans Audio, et dans Audio je vais choisir le format qui me va, et là c'est du M4R. Donc je clique dessus et ensuite je vais regarder les différents paramètres, parce que là il va falloir qu'on joue avec les paramètres. Ici comme vous pouvez voir, on a des pré-réglages: bonne qualité, qualité normale, basse qualité. Donc si on regarde, en fait c'est en fait la fréquence d'échantillonnage qui descend, le taux en kilo bits seconde qui baisse aussi, voilà. Et si on regarde, voilà, vous voyez, là, au format bonne qualité, on est en 44100 Hz et on a un taux, comme pour les MP3, qui est de 128. A savoir que si je clique ici, je peux monter jusqu'à 192. Voilà, 192. Mais du coup, ça alourdit la bande son. Alors, justement, sur ce titre qui est un petit peu nerveux, si c'est une chanson normale, une petite sonnerie bien sympa, qui pose pas de problème... Si vous avez la saturation comme je peux en avoir avec ce morceau là, ce que je fais c'est en contrôle de volume, je clique ici et je passe à 50. Pourquoi ? Ben, tout simplement parce que ça baisse le volume et du coup le format M4R ne sature plus. Parce que si je le laisse à 100%, je vous garantis c'est inaudible, ça fait... On entend des bruits, au début j'avais pas compris, et en fait c'est la saturation de du morceau, et je l'ai vu avec d'autres morceaux que je me suis amusé à faire pour mon téléphone, et à chaque fois j'étais obligé de baisser quand vraiment on monte fort au niveau surtout quand c'est du hard rock ou des morceaux AC/DC ou des chanteurs comme Green Day, dans Green Day tout ça, il faut penser à baisser le contrôle volume, le passer à 50%, sinon c'est vraiment super compliqué. Donc maintenant que j'ai fait ça, donc là pour ce morceau là je mets à 50. Si vous avez un morceau de R&B, de je sais pas quoi, du moment que le numéro, le son ne sature pas quand vous l'écoutez au final, ça va. S'il sature, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il faut passer à 50. Donc là, je prends ma chanson, je la glisse. Donc c'est bon, je fais OK. Et maintenant que j'ai fait OK, il ne me reste plus qu'à cliquer sur Click to Start. Et l'extraction se fait. Comme vous pouvez le voir, voilà, l'extraction s'est fait. Maintenant, je vais dans FF Output, là où se trouvent les extractions. Et ici, donc je vois bien que j'ai mon morceau en M4R. Pour le lire, je fais lecture. J'ai iTunes qui va se lancer automatiquement. Donc là, c'est depuis la dernière version de cette erreur.
Donc là, vous voyez. Voilà. Donc là, la sonnerie, elle est bonne. On l'entend bien. Elle est audible. Je vous promets, quand vous le mettez à 100%, ça fait vraiment des bruits. On dirait un canard ou je sais pas. C'est impressionnant. Donc la seule méthode que j'ai trouvée pour réduire cet effet-là, c'est uniquement en passant par le bouton de volume contrôle, en le mettant à 50%. Et là, du coup, le morceau devient audible. Donc, mais vu que justement on est dans iTunes, on va aller dans son, puisque c'est là qu'il va falloir faire glisser. Voilà, donc là on l'a écouté. Maintenant, automatiquement elle s'est mise dans le fichier son. Mais le plus intéressant quand même, si vous ne l'écoutez pas, c'est de l'importer. Donc pour l'ajouter à la bibliothèque, vous faites voilà, ajouter. Donc, hop, alors ce que je vais faire. Donc là maintenant, ce qui est assez intéressant, ce qui va être intéressant maintenant qu'on l'a écouté, c'est de l'intégrer à iTunes. Donc pour ce faire, là, je vais aller dans FF Output, récupérer, voilà, la chanson. Hop, je vais la couper. Voilà. Maintenant, je vais aller dans Musique. Je vais dans le fichier iTunes. iTunes Media, et dans iTunes Media on trouve le fichier Ringtone. Vous double cliquez et vous faites un coller. Voilà, maintenant il y est. Là je ferme. Là celui-là je vais le supprimer. Voilà. Voilà, je l'ai supprimé. Maintenant vu qu'elle est intégrée au bon fichier, c'est-à-dire au fichier Ringtone, ce que je vais faire, c'est que je vais l'ajouter. Donc je fais ajouter le fichier à la bibliothèque. iTunes Media, Ringtone, et là, elle y est, je fais OK, maintenant elle a ajouté. Maintenant que ça c'est fait, donc tout à l'heure elle s'était mise parce que elle était, je l'ai écoutée, mais moi en fait je voulais la déplacer et mettre dans le bon fichier. Le bon fichier c'est iTunes Media, Ringtone. Donc je l'ai mis dedans, maintenant que je l'ai mis dedans, ce que je fais, c'est qu'il ne me restera plus qu'à brancher mon iPhone, et une fois que j'aurai branché mon iPhone, je synchronise. Et dès que je vais avoir synchronisé, automatiquement, il va m'ajouter cette nouvelle sonnerie à mon fichier ringtone du téléphone, et il ne me restera plus qu'à aller dans mon téléphone, dans Réglages. Une fois qu'on est dans Réglages, on va dans Son. Et une fois qu'on est dans Son, on va dans Sonnerie. Et quand on est dans sonnerie, on choisit la chanson qu'on veut. Donc vous allez dans sonnerie, vous avez celle par défaut. Et sinon après vous choisissez une sonnerie, vous pouvez affecter ainsi donc une sonnerie à un utilisateur. Comme ça, moi je l'ai fait quand même sur pas mal d'utilisateurs. Comme ça des fois ça m'évite de regarder le téléphone. Et quand j'entends certaines sonneries, je réponds pas. Non, je plaisante. Donc une fois que vous avez mis toutes les sonneries, comme ça vous pouvez différencier à l'audio les personnes les plus importantes, votre conjoint, votre enfant, votre petite amie et tant d'autres choses. Voilà. Donc c'est vraiment pas compliqué. Je pense qu'on a fait le tour assez rapidement. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à passer sur le forum, nous y répondrons le plus rapidement possible. J'espère que ce tutoriel vous aura bien aidé. Bon travail, bon surf et bonne bidouille.